l'agence Voyage FQCC, c'est une agence qui est là pour les membres de la Fédération. Alors, c'est un service qu'on offre à nos membres pour les circuits caravanes, pour l'achat de billets d'avion, la location de véhicules récréatifs. Ça pourrait même être une location de voiture. On organise environ une vingtaine de circuits caravanes parce qu'on en a l'été, on en a à l'automne et l'hiver. Alors, on a des circuits caravanes au Canada qui sont très courts, comme par exemple une semaine ou deux semaines au Nouveau-Brunswick, à l'île du Prince-Édouard. Mais on a aussi d'autres circuits caravanes qui sont plus longs, qui peuvent durer jusqu'à 3 mois, où on se rend jusqu'à Vancouver, à l'île de Victoria. Aux États-Unis, les circuits caravanes peuvent être aussi très courts, comme par exemple une semaine à New York ou une semaine à Boston, mais également plus longs. On a des circuits qui se rendent jusqu'en Californie, qui prennent jusqu'à 3 mois, là, parce qu'on fait toute la côte et puis on revient par les canyons. Des voyages 100% camping, des témoignages palpitants, de l'équipement testé sur route, des trucs, des trouvailles et plus encore. Camping Caravaning, le magazine des passionnés et des experts depuis plus de 15 ans. C'est votre première expérience au volant d'un VR? Ben oui. Et puis, comment ça se passe? Là, vous avez fait quoi jusqu'à maintenant? Vous l'avez amené jusqu'ici? Ben oui, ça vient. Pas eu de casse? Non, pas eu de casse. Le premier jour, ça a été compliqué parce qu'on est allé le chercher sur un parking. Et puis, mon mari est monté et puis il a mis le contact. Mais on n'a pas pu démarrer. Pourquoi? Ben parce qu'il n'arrivait pas à passer les vitesses. Alors, on est venu de Saint-Sauveur exprès pour venir le chercher. Et finalement, on est retourné en voiture parce qu'il est resté au même endroit. Tout ça parce que je n'avais pas mis le pied sur le frein pour passer les vitesses. Ah, vous étiez parti de Saint-Sauveur. J'aurais juré que vous aviez un accent qui n'était pas l'accent de Saint-Sauveur. Mais bon, vous me dites, c'est ça. On a un accent un petit peu du sud. Oui. Alors, vous êtes de quelle région exactement? De la France? On a vécu longtemps à Paris et là, on habite en Camargue, à Nîmes. À Nîmes? Là où il y a les arènes. Il y a les taureaux sauvages. Bon, parlez-moi, pourquoi vous êtes venu? Qu'est-ce qui vous a amené à venir vivre une expérience de VR au Québec? Mais d'abord, on vit au Québec. Ça fait 4 ans qu'on a acheté une maison au Québec. Mm-hmm. Parce qu'on aime le Québec. Ça fait plus de 15 ans qu'on y vient. Mm-hmm. Et puis mon mari, c'était sa passion. Et puis j'ai cédé. Voilà. Ma fille m'a forcée. Pas souvent, mais cette fois-ci, elle a cédé. Et qu'est-ce que vous avez fait pour la convaincre? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Elle m'a regardé dans les yeux et puis elle a dit, bon, on va lui faire plaisir à cet homme-là. Ah, ouais. Chez Lucie, on a vu un prospectus, c'est Lucie, et puis on a dit, bon, on va tenter l'expérience et puis rencontrer des Québécois qui font que ça. Bon, maintenant, il va falloir qu'on se mette un peu comme eux et puis qu'on s'intègre bien au groupe et qu'on parte et qu'on profite en plus de ce beau voyage que nous allons faire jusqu'au Texas. Et puis on va passer les soirées, là, on va passer une soirée mexicaine, on va tout faire. Mais c'est vrai que pour nous, c'est un rêve qui se réalise. Bon, on a l'âge, il faut le faire maintenant, hein, parce qu'autrement, après, ce sera un peu tard. Donc, il y a ce côté exotique. Exotique, oui. Et puis en même temps, une intégration avec des Québécois. Avec des Québécois, oui. Déjà, on est bien intégrés, mais là, c'est vrai, on a rencontré des gens qui sont charmants et qui... On va vivre avec eux pendant un mois, mais ça nous rassure aussi, parce que partir seul à l'aventure, déjà qu'on n'a pas su le démarrer le premier jour, le jour on n'a pas su mettre les essuie-glaces, donc là quand même. Voyons voir maintenant ce qui pousse des concessionnaires de VR à organiser des circuits caravanes pour leurs clients. Le but des caravanes était d'amener les gens à être capables d'utiliser leur véhicule. Et naturellement, montrer aux gens comment c'est facile de voyager, comment on est capable de s'adapter qu'importe où on se trouve. Il y a toujours l'aspect aventure où les gens ont peur. Donc, et nous autres, ce qu'on a voulu faire, c'est de montrer aux gens qu'on est capable de se promener, à être d'une façon sécuritaire, confortable, et en même temps de voir qu'il y a d'autres mondes qui existent, d'autres individus qu'on peut rencontrer et d'avoir du plaisir avec ces gens-là. Donc, c'est cette espèce de feeling de voyager et d'avoir de la gaieté. On voulait partager ça avec la clientèle et ça a commencé tranquillement et on s'entend que ça a pris de l'ampleur au fil des années.
c'est un véhicule récréatif, c'est un véhicule, donc il y a un moteur, c'est mécanique, il peut arriver des problèmes en cours de route, donc les gens ont besoin de se sentir sécurisés à ce niveau-là. Donc les gens ne risqueraient pas, se risqueraient pas de faire ces voyages-là s'ils n'étaient pas encadrés. Et une fois qu'ils les ont faites, souvent, ils vont se retrouver des amis. Ils vont réaliser que c'est pas si compliqué que ça, que c'est faisable et qu'il y a du plaisir à y avoir. Horizon Lucier a un véhicule récréatif pour chacun de vous et à meilleur prix. Laissez-nous prendre soin de vous et de vos rêves. Découvrez moncampingpréféré.ca, le site 100% campeur. Quel est votre camping préféré? Plus de 13 000 campings y sont répertoriés pour toute l'Amérique du Nord. Répondez au camp quiz, laissez des commentaires et des photos et consultez ceux d'autres campeurs. Parcourez la carte interactive et dénichez votre coin de paradis. Que vous soyez à la maison, en camping ou sur la route, vous pouvez accéder au site grâce à nos applications iPad et iPhone. Vous êtes à la recherche d'un nouveau véhicule récréatif? Passion VR a la solution pour vous. Venez rencontrer notre équipe d'experts à l'écoute de vos besoins. Que ce soit pour une roulotte, une tente roulotte ou une roulotte à sellette, Passion VR est l'endroit par excellence où, depuis 25 ans, vous trouverez le plus grand choix, les meilleures marques et ce, au plus bas prix au Québec, garanti. Passion VR, à seulement 20 minutes à l'ouest de Montréal, c'est la destination pour faire de vos rêves une réalité.